Hello, c'est Golden Bee et aujourd'hui je vais vous faire découvrir des clips de chez moi, de la Guyane française et j'espère que vous allez kiffer. Quel bail! Alors pour commencer, on va écouter, enfin regarder le clip de Lesna, Invictus, où il raconte un peu du coup son parcours. Donc il parle depuis ses débuts en fait, de son évolution musicale. Et le clip est assez sympa parce qu'il y a plein de parties de ses premiers clips, quand il était petit, de ses premiers studios, de ses premières scènes. Même sa scène avec la Fouine aussi. Il parle de son album aussi. Et je trouve que c'est assez sympa la façon dont il en parle. Il y a des parties aussi où il est avec ses fans. Donc voilà, ça c'était le premier clip de Lesna, un artiste guyanais, et qui nous raconte vraiment sa carrière, parce qu'il avait arrêté pendant un moment, et c'était un peu son clip pour son retour, et je trouve que c'est un très beau clip avec un très beau son, de très beaux messages pour un retour. Il était une fois, donc je pense que vous connaissez tous Fanny J, qui est un peu une figure emblématique en Guyane. C'est un clip très simple, hein, épuré, où elle est dans un décor de forêt. Je crois qu'elle aussi, c'était pour son retour, ce clip, si je me trompe pas. Parce qu'elle avait arrêté pendant un moment et elle est revenue, si je me trompe pas, avec ce clip aussi. Donc voilà, c'était Fanny J, la reine du zouk en Guyane. Et oula, on va continuer. Oh, non, c'est bon. On va continuer avec Pop Plan, du coup, qui est un artiste de Guyane aussi, Kourou. Ça, c'est un morceau et un clip assez poignant. Ça a été tourné dans une église. Et il raconte un peu comment il relativise sur la vie. Et on fait tout parce que ça va y manger. Alors ça c'était Pop Plan. Oui. Voilà. Alors c'était Pop Plan, donc c'est un artiste en plus qui vient de ma ville, de mon quartier, donc ça fait plaisir. Le clip, je trouve qu'il est très bien réalisé. L'esprit du clip, j'aime beaucoup. Ça change aussi de thème parce que c'est souvent un peu les mêmes thèmes qui reviennent et je trouve que c'est assez sympa de changer de thème de temps en temps. Et ça fait plaisir parce que moi j'aime beaucoup. Ensuite, le quatrième clip, c'est Afi Boss de Bambi.
Alors Bombi, c'est également une artiste dancehall originaire de la Guyane. Et c'est un clip qu'elle a fait à part, je crois, si je ne me trompe pas, aussi de sa première production, où là, elle a vraiment tout pris en charge au niveau des décors, au niveau de l'univers qu'elle souhaitait apporter dans le clip. Et ça change parce que, du coup, bah, on voit vraiment ce qu'elle elle fait. Et c'est bien aussi, puisque dans tout le clip, il y a une chorégraphie qui est très bien réalisée aussi. Les couleurs, elles ont été bien choisies. Alors c'était Bambi, artiste dancehall aussi de la Guyane. Si tu veux y finir mon frère Kepinda, pendant qu'il t'aura bol, nous j'affoque Linda. Hey, pendant qu'il t'aura bol, nous j'affoque Linda. Doe, salam au blada, sochi, fucking Guyana. Combien de business qui nous j'affoque. Alors Vaga, c'est mon petit coup de cœur de l'année parce que je trouve qu'il se démarque vraiment des artistes qu'on a en Guyane. Il essaie de faire autre chose, de rentrer sur un autre créneau. Et pour moi, il gère de ouf. Il a de très 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 bons lyriques, très belles plumes. Voilà, c'était Vaga, artiste aussi originaire du 973 Guyane française. Et voilà, c'est un très très bon rappeur et je vous conseille d'aller l'écouter. Alors du coup, j'ai choisi ces 5 titres parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus connus, d'autres qui sont beaucoup moins connus. Mais c'était vraiment pour montrer la diversité artistique en Guyane, qui est également aussi des femmes dans le milieu musical, parce qu'on est très peu représentés, mais il y en a plein. Et il y en a également en tête d'affiche. Et voilà, je voulais faire découvrir ça, des artistes qu'on connaît moins, d'autres qu'on connaît bien. Et j'espère que vous avez apprécié.